Yahoo et Dimancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo, ouverture de figurines. Et on est encore avec le site Figure House, car en fait, Figure House, c'est un petit peu à mes caprices d'envie de figurines. Et donc, du coup, ils ont mis une figurine sur leur site que j'avais demandé s'ils pouvaient l'avoir. Et donc, forcément, j'ai acheté, voilà. Donc je te mets bien entendu ici le petit code promo pour avoir moins 7% à chaque fois que tu fais une commande hors solde, hors promo et hors précommande. Donc en fait quand tu achètes une figurine tout court, tu as moins 7% avec le code qui est écrit ici. Et on va ouvrir ça ensemble, regarde-moi ça, voilà. J'ai encore craqué. Et encore j'ai failli m'en racheter une, mais je sais pas encore. J'hésite un petit peu en fait sur celle-là, j'ai des doutes. Donc je pense que même le jour où tu vois cette vidéo, regarde en Insta Story, je mettrai un sondage pour savoir si je la prends ou pas, si elle y a encore cette figurine en question. On choisira ensemble, comme ça c'est vous qui aurez décidé que je présente ou pas cette figurine. Mais elle m'a fait vraiment trop les yeux doux. Et puis c'est surtout que j'ai envie de sortir en fait de Hatsune Miku. Hein. C'est pas comme si j'aime mes figurines de Miku. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que j'ai l'impression d'être limite que d'ouvrir que des figurines Miku. J'ai quoi J'ai fait 3 figurines ou 4 qui ne sont pas Miku. 5. Et j'ai au moins 4, 5, 6, 7 Miku. Donc ça fait presque. Ouais, ça fait moitié. Mais bon, j'aimerais sortir de ça parce que c'est pas forcément que Miku qui m'intéresse. Mais après, il y a beaucoup de figurines style Naruto, Bleach, One Piece, Fairy Tail, My Hero Academia. C'est quoi le manga en ce moment aussi? Demon Slayer. Et j'achète pas de ce genre de série là. Donc voilà. Enfin, My Hero Academia, j'avais commencé l'anime. Mais je crois que je vais taper dans le manga. Voilà. Non, je pense que si je trouve le coffret là, des 3 premiers tomes, je me prends en manga. Alors, on attaque avec, comme d'hab, la petite fiche. Voilà, le petit mot qui fait toujours plaisir. À l'arrière, la petite personnalisation comme d'hab. Et je te mets les réseaux sociaux qui seront remis dans la barre d'infos. Voilà, ainsi que le code promo, il est marqué dans toutes les barres d'infos de toutes mes chaînes, techniquement. En tout cas, sur Ibiotaku et Ibiotaku Hentai, tu as dans la barre d'infos le code promo qui est tout en relisté. Puis si tu as besoin, tu me demandes, il n'y a pas de souci. Ensuite, on a donc la petite fiche du colis, mais je n'ai pas les prix. Je ne sais pas s'ils ont arrêté de mettre les prix, mais en gros, c'était plus ou moins 30€, hein, comme d'habitude. Et j'ai craqué pour une figurine de Miku. Je pense que tu avais compris. Tada! On va ouvrir ça ensemble. Je sais pas pourquoi j'ai les trucs cool. Donc je m'excuse pour la micro-coupure. J'ai tout simplement pensé que c'était le moment ou jamais si je voulais faire un TikTok de filmer le carton et se filmer avec l'emballage. Parce que sinon, après j'allais l'enlever et pour le remettre, c'est un peu chiant et j'aime pas faire semblant. Donc voilà. Désolée, je suis bien sûr d'y penser. Et comme Figure House a un TikTok maintenant, comme ça, ça leur fera aussi une vidéo s'ils veulent pour leur compte. Voilà. On va essayer d'ouvrir ça le plus vite possible. Voilà. Donc, voici la figurine qui est la figurine d'automne. Je crois que c'est une... Alors, si je dis pas de bêtises, on me fâche pas, surtout l'abonné Aligechan, on ne me fâche pas si je me trompe. Mais il me semble que cette figurine devait sortir en automne, mais qu'elle a été repoussée à cause de tous les Covid. Voilà. Non, tu vas ici, sur moi. Voilà, elle est juste trop trop belle. Et quand je l'ai vue, j'ai tout de suite craqué. Voilà. Parce que regarde-moi ça, elle est trop belle. C'est pas possible. Il me l'a fallu. Donc, voilà. Donc, voilà, j'ai complètement craqué pour la figurine. Si, je voulais te montrer quand même là. C'est juste trop beau. Donc, j'ai oublié de préciser, mais c'est une figurine de la collection Taito. Voilà. Ça, à chaque fois, je pense toujours à te le dire, donc. Donc, voilà. Il y a une odeur. Il y a une odeur de plastique, ça fait bizarre, parce que d'habitude, il n'y a pas vraiment d'odeur, il ne me semble pas.
Donc la figurine est présentée comme ça. Il y a donc une fois de plus juste les deux couettes à clipper et le socle. Le socle qui est orange comme la boîte. Comme mes cheveux d'ailleurs. D'ailleurs pour ceux qui se posent éventuellement la question de qu'est-ce qui se passe avec mes cheveux, je suis juste en train de décolorer et d'enlever la couleur pour changer, mais je ne change pas tout de suite. Vous allez me voir pendant 2 mois en blond parce que je changerai fin mai de couleur de cheveux parce que ce sera là où je me ferai opérer. Donc juste avant l'opération, je me changerai de couleur de cheveux. Comme ça, j'aurai une nouvelle couleur pour une nouvelle vie. On va espérer, hein. Ça, c'est la dernière étape. Je ne peux pas faire mieux après, hein. Voilà à quoi ça ressemble. C'est juste trop trop beau. Regarde-moi ça et toutes ces feuilles. Comment on appelle ça, les barres là de musique, les lignes, partitions. Et les notes aussi. C'est trop trop beau. Ici, ça se voit, hein. Voilà. Ensuite, donc la boîte. Faut descotcher là. J'aimerais bien enlever le scotch sans couper, mais bon, j'ai la flemme. Voilà. Oh, elle est trop belle. Oh, elle est encore plus belle que je pensais. Il y a un truc que j'aime moins que je pensais. C'est pas grave. Ça me gêne pas, hein. C'est juste que je m'attendais pas à ce que ça soit exactement comme ça. Donc voilà à quoi ressemble la figurine. Et j'ai plus de batterie, c'est encore mieux. Bravo, on adore. Voilà. Et donc les deux clips. Alors, est-ce qu'il y a une couette particulière? On verra bien. Attends. Peut-être l'autre côté. Ah non, d'accord, il y a bien un détail pour montrer laquelle est laquelle. Ok. Ouais, ça marche. Donc j'ai soufflé de l'air sur la figurine. On m'avait dit de faire ça parce que la matière pouvait aimer la chaleur. Donc c'était plus facile pour enfoncer les couettes de soit souffler comme ça avec la voix, soit de faire ça avec un petit peu de sèche-cheveux. Mais sèche-cheveux, je préfère éviter. Donc voilà. Vous inquiétez pas, je me suis lavé les dents avant, hein. Je me lave toujours les dents avant de filmer. Je vais pas prévenir, mais. Ah ouais, ça s'enfonce vachement mieux. C'est un truc de dingue. Voilà, je n'ai pas mis de rouge à lèvres, c'est déjà ça. Et donc voilà à quoi elle ressemble. On va mettre le petit socle. Non, c'est dans l'autre sens. Ok. Je sens que quand je vais déménager, je vais adorer déboîter mes figurines. Le truc que je vais détester. Donc voilà à quoi ressemble la figurine une fois montée. Et je vais donc bien entendu te montrer ça avec le petit plateau tournant pour que tu puisses mieux l'admirer et admirer tous les détails. Et je te retrouve juste après. Vidéo ouverture de figurines de Miku version automne est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir en likant, commentant et pourquoi pas partager cette vidéo. N'hésite pas donc à aller voir sur Instagram en Insta Story pour voter si on achète ou pas la nouvelle figurine. Et sur ce, je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. On n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive. Bye !